Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à tous les organisateurs de Nice Fiction pour l'organisation de tout cet événement. Déjà, on va se présenter. Moi, c'est Pauline. Je suis réalisatrice et monteuse. Je travaille pour une boîte de production à Strasbourg qui s'appelle Slick. J'écris aussi des nouvelles de science-fiction. Et ma sœur, Marinette. Bonjour, moi c'est Marinette. Je suis critique d'art, j'écris sur des œuvres d'art contemporain numérique, surtout précisément sur des œuvres d'art contestataires d'artistes africains qui traitent des sujets sur les matérialités des technologies, donc contestataires. Voilà. Voilà. Mais aujourd'hui, on est là pour vous parler de l'écriture d'un récit interactif. Et on va en profiter aussi pour vous faire une petite présentation de notre web série interactive qu'on est toujours en train de créer, qui est en cours de développement, qui s'appelle Extraordinaire. Donc en fait, le fait de vous parler d'extraordinaire, ça nous permettrait de développer quelques réflexions autour de l'interactivité, surtout dans le récit de science-fiction. Donc en quoi cela consiste, comment ça se construit et pour quelles raisons l'interactivité nous a intéressés pour développer extraordinaire. En somme, qu'est-ce que ça apporte par rapport à un récit ordinaire? Donc on a trois parties. Qu'est-ce qu'un récit multimédia interactif? Comment construire un récit multimédia interactif? Et puis pourquoi construire un récit multimédia interactif. Mais avant tout ça, on voulait déjà se demander comment on en est arrivé à s'intéresser au récit multimédia interactif. Alors, c'est vrai qu'en fait, enfant, on était beaucoup fan de livres dont vous êtes le héros, qu'on a toujours été fasciné par le jeu de rôle, le cinéma et tout ce qui touchait aux ordinateurs et puis à Internet. Donc, résultat, on s'est dit que si on arrivait à mélanger tous ces centres d'intérêt, ça avait de grandes chances de donner un truc de fou, une fiction qui déchire. Donc c'était la base. Donc, avant toute chose, qu'est-ce qu'un récit interactif? Donc, bon, c'est plutôt difficile en fait de répondre en une phrase. Et puis, voilà, c'est très vaste parce que ça recouvre de nombreuses définitions en fonction des médiums et des domaines qui l'étudient. Dans les sciences sociales, bon, l'interaction, ça s'étudie surtout à travers le langage et la communication non verbale comme une action d'entente réciproque entre deux êtres, de personnes ou de groupes. Dans notre cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'outil informatique. Donc l'interaction qu'on peut avoir avec nos machines, c'est quelque chose qui a été étudié depuis le début de l'automatisation avec la cybernétique de Wiener, puis par les études faites sur nos rapports à l'écran, lorsqu'ils sont apparus, donc comme interface de dialogue entre les humains et les machines. On peut donc s'entendre sur une définition concernant l'interactivité dans la construction d'un récit audiovisuel, celle d'activité de dialogue entre l'utilisateur du système informatique et la machine, donc par l'écran. Donc l'interface ici est importante, d'autant plus qu'on travaille sur une forme cinématographique qui intègre des possibilités de choix. Donc même si ces choix de navigation dans le récit sont restreints, ça offre un certain espace de liberté au spectateur pour lui permettre de personnaliser sa vision du récit. Donc dans récit multimédia, il y a multimédia, puisqu'il y a des récits interactifs uniquement écrits, comme les livres dont vous êtes le héros, dont Pauline parlait, et que tout le monde ici a déjà lu dans son enfance, j'imagine. Il y a aussi les expérimentations de récits hypertextes, apparues dès la naissance d'Internet, assez tôt, à la naissance d'Internet. Et dans le champ de l'audiovisuel, il y a par exemple, il y a un exemple très récent que tout le monde connaît bien, c'est le film interactif Bandersnatch de Black Mirror, sorti en 2018. On en parlera un peu plus tard. Et bien sûr, c'est pas le premier, bien au contraire, en fait, parce que le Kino Automate de Radu Cincera en 1967, c'est un des plus anciens films interactifs. C'était une salle de cinéma où 127 spectateurs étaient équipés de deux boutons, donc un vert et un rouge, pour exprimer leur vote. Puis ont été expérimentés dans les salles d'arcade des années 80 un mélange entre film interactif et jeu vidéo. C'était appelé Full Motion Video, FMV, vous connaissez sûrement, constitué de scènes cinématiques pour proposer des graphismes plus réalistes que ceux qui existaient à l'époque. Et voilà, c'était des séquences. Des scènes découpées en séquences,
cinématique. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas de dire si oui ou non il y a un gameplay dans le film interactif, mais plutôt de voir quels sont les apports de l'interactivité à un récit qui se construit du coup sur l'association image, son, texte. Mais du coup, justement, à propos de jeux vidéo, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le jeu vidéo comme récit interactif. On va pas s'étendre non plus très longtemps sur le sujet, mais ce qu'on peut dire, c'est que dans l'étude du jeu vidéo, il y a deux théories qui s'affrontent. Il y a la thèse narrativiste et la thèse ludologiste. Donc les premiers, ils soutiennent que le récit et la narration sont primordiaux, hein, alors qu'en fait, les seconds, ils placent plutôt le gameplay avant tout. Puis le récit, c'est finalement qu'un prétexte. Mais en fait, on peut faire en règle générale, et c'est vraiment une grosse généralisation hein, que je fais là, c'est on peut remarquer que dans la construction d'un jeu vidéo, il y a deux séquences distinctes, donc il y a les séquences de jeu et les séquences de cinématique. Et en fait, la réussite des séquences jouées débloque les scènes en cinématique. Ce qui fait que le récit n'est narré que lorsque ces scènes animées et passives de cinématique apparaissent. Donc la narration et l'interactivité, elles n'existent pas de manière simultanée. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit de récit interactif. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même certains jeux qui se sont intéressés beaucoup à cette notion, qui l'ont questionné. Mais il y en a quand même beaucoup. Hein. Mais moi, j'aimerais bien parler ici de Stanley Parable, qui m'avait beaucoup frappé parce que ça essayait de chercher une nouvelle forme en fait de jeu. C'est un jeu dans lequel en fait il y a un narrateur qui raconte l'histoire, mais qui s'adapte. Qui adapte son discours aux actions en fait du personnage, donc du joueur. Et du point de vue en fait du gameplay, la fin elle changera en fait aux fonctions des choix du spectateur, enfin du spectateur qui est joueur. Et ce qui est intéressant en fait avec The Stanley Parable, c'est que ça questionne vraiment la question du libre arbitre dans le jeu et la relation du joueur avec l'auteur du jeu en utilisant l'humour. Donc le narrateur, il semble conscient en fait dans ce jeu, il semble conscient du statut de son statut de narrateur et de sa responsabilité à guider le joueur à travers le jeu. Mais le joueur, il peut aussi, il peut très bien décider d'aller à l'encontre des indications du narrateur. Et ce qui fait que le narrateur, en fait, il devient fou, à un moment donné, il peut déprimer et ça donne des situations vraiment super drôles. Donc c'est un jeu en fait avec plusieurs fins possibles. Donc moi j'en ai comptabilisé 16. Donc ce qui est intéressant en fait ici par l'étude de ce jeu aussi, c'est cette remise en question du statut de joueur-auteur qu'on retrouve aussi dans les films interactifs. Donc l'interactivité de manière générale, elle remet en cause en fait le statut la relation spectateur-auteur, parce que du côté du spectateur, et là on revient dans les récits interactifs. Du côté du spectateur, l'interactivité, elle laisse supposer une intervention du spectateur qui devient donc utilisateur. Il est plus dans son rôle de spectateur extérieur, il doit agir. Et puis, s'il accepte pas d'agir, il n'y a pas de récit interactif, ça fonctionne pas. Et puis, du côté de l'auteur, plus que n'importe quel autre type de récit, en fait, l'auteur doit se mettre vraiment dans la peau de l'utilisateur final pour réussir à prédire, interpréter ses actions, ses ressentis au moment de l'écriture. Voilà, c'est vrai qu'on pourrait vraiment s'étendre sur le sujet du jeu et puis ce sujet-là, mais après c'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui. En fait, aujourd'hui on voulait aborder ça, c'était aussi pour présenter notre projet de web-série interactive, donc de science-fiction, qui s'appelle Extraordinem, sur lequel on travaille depuis 4 ans. On a eu un travail monstrueux d'écriture, de pré-production, de tournage. Moi, j'ai comptabilisé environ 35 jours de tournage, mais répartis sur plusieurs années, parce que c'est quelque chose qu'on fait en dehors de nos travails respectifs, qu'on fait le week-end, et avec une équipe totalement bénévole. Donc, c'était vraiment une aventure entre amis. Il y a des heures et des heures de rush. En tout, j'ai comptabilisé aussi 60 figurants sur tous les tournages, 15 techniciens qui sont relayés. Donc c'était vraiment un gros projet qui nous a tenus sur plusieurs années. Et puis là, maintenant, on est en phase de montage, mais ça va être encore très long. Mais du coup, on voulait en profiter aujourd'hui pour vous présenter une petite bande-annonce.
Alors, si En c'est avant-première. ouais, si c'est possible de la diffuser. Il y a des rumeurs. On parle de silhouettes filiformes et sans visage qui entraient les bois. Ils errent sans but. On dit que ce sont ceux qui sont restés coincés. Des âmes en peine, des coquilles vides. En fait, ces types. Ils sont juste là devant moi, ils bougent pas, ils me regardent. Je les vois même pas arriver. Un coup, ils sont là et l'instant d'après, ils disparaissent. Non, non, ça devrait pas finir comme ça. Viens avec moi, je te dirai tout ce que je sais, je te dirai tout, viens! Je me demande comment une fille comme toi peut avoir autant de valeur. Et alors quoi? Vous voulez recréer la connexion? Que reste-t-il de cet infime lien qui nous tenait tous? Arrête! Ça, c'est la connexion. Elle est partout. C'est nous qui sommes occupés d'elle. Mais elle, elle nous voit. Elle nous observe. Tout le temps. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Donc avant tout, Extraordinem, c'est une aventure entre amis. Et c'est un projet collaboratif, donc c'est pour ça qu'on souhaite ici remercier vraiment sincèrement de tous nos amis, toutes les personnes qui sont investies, ouais, toute l'équipe qui s'est investie sur la réalisation d'Extraordinem, parce qu'ils ont donné énormément de leur temps. C'était vraiment un très très beau projet. Enfin, c'est toujours un très beau projet. Donc voilà, big up et merci à tous. Ouais, merci. Merci à tous les amis. Et on voulait avoir un spécial, remerciement tout spécial. C'était pour les deux comédiennes, donc Elodie et Déborah, voilà, qui ont vraiment géré à l'écran, quoi. C'était super de travailler avec vous. Super. Voilà, après ce petit moment d'émotion, on va reprendre. Alors, comme vous avez pu deviner, en fait, dans le trailer, il y a un concept fort, en fait, de la série qui tourne autour d'une connexion totale entre les hommes, Internet et la nature, une sorte de cerveau mondial. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui revient de temps en temps en science-fiction, mais nous, l'origine vraiment de cette réflexion, c'était le visionnage du film World Brain de Gwenola Wagon et Stéphane de Goutin. C'était en 2015, c'est sorti, et ça nous a profondément marqué, en fait, parce que ça interrogeait les infrastructures, les data, le futur d'Internet, et ça posait l'hypothèse, bah, du coup, d'un cerveau mondial. Il y avait des petites scènes de fiction qui étaient vraiment, vraiment, vraiment chouettes. C'était des chercheurs qui iraient dans la forêt pour essayer de se connecter directement à Internet via la nature. Et bah, il faut le voir, il est sur Internet, il est sur YouTube en diffusion libre sur la chaîne d'Arte. Mais la plateforme de Arte Créative qui recensait toute leur recherche n'existe plus malheureusement, mais le film entier est encore visible sur YouTube. Ouais. Et bah, nous, pour Extraordinem, on est parti de ce constat. Bah, de cerveau mondial, de connexion, pour l'intégrer comme une utopie, en fait. Ben, parce que dans Extraordinem, il y a une réelle connexion Internet, nature, humain. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était pas forcément l'arrivée à cette utopie-là, mais c'était plutôt la rupture, en fait, qu'il y avait après. Donc une rupture brutale
une déconnexion en fait qui a été subie et violente, et comment les survivants ils gèrent ce manque, la connexion qu'ils ont connue, et comment par exemple la connexion a affecté le monde matériel, parce que la nature elle a été affectée par cette connexion. On peut voir en fait des espèces de glitch organiques, des failles numériques, et ce qui nous intéressait aussi c'était le rapprochement homme nature de manière sensible et par cette connexion, et le fait que paradoxalement quand il y a eu cette rupture, les hommes se retrouvent parachutés dans un monde matériel laissé à l'abandon. Les humains les êtres humains se retrouvent parachutés dans le monde matériel laissé à l'abandon, ils retrouvent une nature qui leur est étrangère, en fait une nature matérielle qui leur est étrangère. Donc, voilà, c'était ce rapport nature homme technologie qui nous intéressait aussi beaucoup. Et donc du coup, à partir de cette histoire d'une connexion passée finalement, puisqu'elle a été rompue, on suit le personnage principal qui s'appelle Sega, qui est au milieu, qui est nomade, de nature solitaire et assez méfiante. En fait, elle a de temps en temps, comme vous l'avez vu, des visions d'hommes étranges avec un sigle à la place du visage, et elle pense qu'il s'agit d'hallucinations. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Pez, et qu'elle lui fasse comprendre que ces personnages-là sont bien réels, puisqu'elle les voit aussi. Et donc, accompagnée de Pez, elle commence une quête pour chercher la vérité sur ces hommes, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils la suivent. Et c'est ce qui l'amène à découvrir des réponses sur son propre passé, et aussi sur le passé de la connexion. Et donc, à des moments clés, nous... dans la websérie, on offre la possibilité aux spectateurs de faire des choix à la place de Sega pour amener l'histoire dans une direction ou dans une autre. Donc ça nous permet ça permet aux spectateurs de découvrir une facette ou une autre du passé, et donc d'avoir une compréhension partielle ou complète de l'univers. Voilà, donc comment on a réussi à construire un récit multimédia interactif, comment on s'y est pris? On prétend pas avoir des réponses toutes faites, parce que vraiment on a appris au fur et à mesure de l'écriture d'Extraordinaire, mais c'est vrai qu'on a fait vachement d'erreurs. C'était vraiment un projet expérimental. Hein. On a essayé aussi d'étudier les œuvres existantes pour essayer de voir comment elles tenaient, comment elles fonctionnaient. Et en faisant ça, on a réussi à dégager des sortes de principes importants à penser pour la création en fait d'un récit interactif. Donc le premier principe, c'était, on s'est posé la question de la structure, parce que, par exemple, dans la structure classique du récit, on a un début et une fin. Mais attention, là, je parle pas de chronologie. Ouais, de chronologie, d'histoire, en fait. Enfin, je veux dire, on peut très bien avoir des flashbacks dans le récit. C'est pas ça le problème, c'est que on différencie vraiment le récit, la narration et l'histoire. Le récit, c'est la structure formelle. La narration, c'est la manière dont l'histoire est énoncée. L'histoire, c'est la succession des faits. Donc, en fait, dans un récit classique non interactif, on aura toujours un début et une fin. Et donc, du coup, comment le récit interactif, il affecte cette structure? Donc, du coup, on a réfléchi sur la structure. Et pour construire Extraordinaire, il s'agissait de penser la structure pour construire le récit. Donc comme on le disait, c'est une web-série interactive parce qu'on y fait des choix. C'est-à-dire qu'il y a deux choix proposés à chaque fin d'épisode. Donc il y a un seul début, mais plusieurs fins. Donc ici, on a 7 fins. Et les fins sont différentes en fonction des choix qu'on fait, évidemment. Et donc pour construire cette structure-là, avant même le début de l'écriture, on savait ce qu'on voulait mettre au début, et on avait quelques idées de fin. Mais on savait pas encore par quel chemin faire passer nos personnages. Donc le problème qui se posait, c'était est-ce qu'il fallait créer une structure en premier ou écrire un récit? On a choisi de créer d'abord une structure avec un nombre maximum d'épisodes et en imaginant quelques convergences. Puis on a essayé de poser notre récit dans le cadre fixe. Et on s'est rendu compte assez vite que ça coinçait,
que c'était pas possible de l'appliquer à une structure fixe, alors on a adapté la structure au fur et à mesure de l'écriture du projet. Finalement, voilà, la conclusion qu'on a, c'est qu'il nous fallait une structure flexible et que cette structure flexible a beaucoup évolué au cours de l'écriture. C'était laborieux, mais c'était une belle expérience. Donc ici, on voit que la structure d'Extraordinaire est posée en rhizome, en ramification. Donc, je vous dis ça parce qu'après, on va voir un peu les autres types de structures qui sont possibles. Ouais, voilà. Bah, en fait, il y a d'autres structures qui existent. Et ça, on l'a découvert aussi en faisant plusieurs recherches, en regardant sur Internet tous les projets qui existent. Et après, on s'est pas mal basé aussi sur le travail de Benjamin Onguet, qui tient un super site Internet qui fait référence à toutes sortes de récits avec des narrations différentes, d'interactivité, du transmédia. Et donc, du coup, bah, voilà, je vous présente plusieurs autres structures possibles. Donc, déjà, il y a la structure linéaire avec un début, une fin. Mais donc, du coup, ça ne veut pas forcément dire que c'est non interactif. Parce qu'on peut très bien rajouter une interactivité, bah, par exemple, en personnalisation de contenu. Imaginons voilà, le projet, le récit récupère vos datas et les intègre dans son film, en fait. Et ça, on le voit, il y a un projet qui était vraiment super, ça s'appelle Texas Lollipop de Jason Zada en 2011, où on voyait une sorte de serial killer qui était devant son ordinateur et qui commençait en fait à hacker votre propre compte Facebook. Donc vraiment, vous voyez vos datas, vos images de Facebook qui se rajoutaient sur son ordinateur à lui. Donc c'était un peu perturbant quand même. Mais bon, le projet, il n'existe plus, je crois, il n'est plus sur Internet, j'ai vu ça récemment, c'est bien dommage. En 2011, c'était finalement assez tôt dans l'histoire des réseaux sociaux. Ouais. Et ça avait fait... Bah, ça a fait réfléchir, quoi. Ouais. Ensuite, on a une structure concentrique, donc là, on a un début et pas du tout de fin. Donc c'est un peu ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans les web documentaires, où on est projeté quelque part, et bah, c'est à nous de voir, d'aller où on veut. Il n'y a pas vraiment de fil d'histoire, mais par exemple, on peut découvrir une ville comme ça, on peut découvrir, par exemple, Refugee Republic, qui est un projet comme ça, web documentaire, où on découvre un camp de réfugiés, en fait, et on apprend un peu des histoires. Enfin, voilà, c'est... Se déplacer dedans. Ouais. Donc ensuite, il y a la structure en ramification. Donc là, ce qu'on a vu avec Extraordinaire. Mais je vais vous donner aussi un autre exemple pour que vous voyez. Bah, déjà, il y a le film Black Mirror qui rentre dans cette catégorie. Il y en a un autre qui est très bien aussi, c'est Tantal de Gilles Porte, qui est sorti en 2016, donc avant Black Mirror. Où on suit, en fait, on est la petite voix du président de la République qui essaie de négocier l'arrivée des Jeux Olympiques à Paris. Et donc, du coup, c'est un peu une fiction, une intrigue politique où on entend la petite voix du président qui réfléchit et qui n'arrive pas à prendre de décision et doit prendre la décision à sa place pour essayer de, ben voilà, de négocier ça. Donc c'est vachement intéressant comme projet. Sinon, en structure, il y a aussi une structure en strate. Donc par exemple, un début et une fin, mais avec plusieurs choix au milieu qui fait que, ben, en fait, le but, c'est de trouver comment accéder à cette fin. Donc il y avait un film de zombies interactif comme ça qui s'appelait The Outbreak, qui était basé sur ces principes-là. Mais pareil, quoi, j'ai regardé et je crois qu'il n'existe plus. Mais il faudrait pouvoir sauvegarder ce genre de choses. C'est éphémère aussi. Ouais. Et du coup, il y a la dernière structure qu'on a recensée, c'est en constellation. Donc là, il n'y a pas de début, pas de fin. On arrive en fait et on découvre par nous-mêmes. Donc là, un exemple, c'est un bon pays de Simon Buisson et Elliot Lepers. En fait, on a une espèce de roue centrale et on peut avoir une interaction en fait qui fait qu'on bouge pour voir différentes interviews en fait. Mais il n'y a pas de début, pas de fin. On est juste projeté dedans et on va autant qu'on veut en fait. Donc ça, c'est les types de structures. Donc la structure, c'est important, mais il faut aussi penser aux interactions entre le spectateur et le récit. Et parce que c'est la manière dont le contenu du récit se déroule, s'adapte ou se modifie, qui va dépendre des fonctionnalités de l'interactivité. Et il y en a un certain nombre, en fait, dont certains sont
ceux qui sont recensés. Donc il y a l'interaction sur la lecture. Donc par lecture, on n'entend pas chronologie comme on disait tout à l'heure, parce qu'un récit peut intégrer des flashbacks, des allers-retours dans le temps. Ici, la lecture, c'est plutôt, ça concerne plutôt la timeline de l'histoire. Et dans les productions qui offrent des possibilités d'interagir avec la lecture, on peut décider de déplacer le curseur d'une timeline, ce qui permet d'adapter notre déambulation selon nos désirs. Bah, l'exemple que vient de donner Pauline, c'est un beau pays, le webdoc de Simon Bousson et Elliot Lepers. C'est un très bon exemple d'interaction sur la lecture, puisque voilà, parce que on peut passer de l'un à l'autre des collégiens qui sont interviewés. En fait, c'est des collégiens de la banlieue de Stain en Seine-Saint-Denis et qui donnent leur regard sur, qui donnent leur point de vue sur leur banlieue et qui et donc du coup là, l'interaction sur la lecture permet de voilà de passer de l'un à l'autre. Autant que toi. Ensuite, il y a l'interaction sur la narration. Donc, comme on le disait tout à l'heure, pour nous, la narration, c'est la manière dont le point de vue est traité. Donc, il s'agit de pouvoir, ici, l'interaction sur la narration, il s'agit de pouvoir changer de point de vue, changer de point de vue au cours du déroulé d'un récit. La fiction « Way or Die », par exemple, désolé pour l'accent anglais, de Simon Buisson et Olivier Demangel, sorti en 2015. C'est un bon exemple d'interaction sur la narration, puisqu'il permet de changer de point de vue entre tous les participants d'un week-end d'intégration dans le but d'élucider un meurtre. Donc on en parlera un peu plus tard, parce que c'est un projet incontournable. Il y a aussi l'interaction sur l'histoire. Donc l'histoire regroupe les faits à partir desquels se construit le récit. Donc l'interaction sur l'histoire, ce serait donc de décider des faits et donc de faire évoluer l'histoire à partir de nos choix. Donc, par exemple, du coup, la fiction Tantale, dont Pauline parlait, la Tantale de Gilles Porte, c'est un film interactif où on est placé à la place du président de la République et on doit négocier la tenue des JO à Paris. Et donc du coup, ici, l'interaction sur l'histoire se fait parce que, selon nos choix, le spectateur va réussir ou non la mission qui s'est fixée. Et Extraordinaire ici, se place ici en fait dans l'interaction sur l'histoire parce que le spectateur décide des choix de ses gars à la place du personnage principal. Et il fait évoluer l'histoire à partir de ces choix-là. Donc le point commun entre Tantale et Extraordinaire se trouve autant dans le fait que l'interaction se fasse sur l'histoire que par la structure en ramification, comme l'a expliqué Pauline tout à l'heure. Il y a aussi l'augmentation de contenu. Donc en fait, un récit multimédia interactif qui se sert de l'augmentation de contenu permet aux spectateurs de devenir participants en leur offrant la possibilité d'ajouter leur propre contenu au récit. Par exemple, Question Bridge, créé par quatre artistes afro-américains en 2014, est une plateforme qui croise les récits vidéo de plusieurs hommes noirs aux États-Unis, dans lesquels ils donnent leur opinion sur les politiques de leurs États respectifs. Et en fait, la plateforme permet d'ouvrir le dialogue entre des hommes de divers horizons concernés par le même sujet, qui est ici la masculinité noire aux États-Unis. Mais ça permet aussi, du coup, d'en témoigner à ceux qui ne se sentiraient pas concernés par le sujet. Donc ça prend autant plus de sens aujourd'hui, hein. Et donc en fait, ici, l'augmentation de contenu se fait par les spectateurs, qui deviennent eux-mêmes les acteurs du récit, puisqu'ils ajoutent leur propre vidéo à la plateforme. Donc ça, c'est de l'augmentation de contenu. Et il y a aussi, pour finir, désolée d'être un peu longue, il y a aussi la personnalisation de contenu. Donc les récits multimédia interactifs qui se servent de la personnalisation de contenu permettent une identification du spectateur et une implication directe avec le récit. Ça passe souvent par l'intégration, souvent involontaire, de nos données personnelles, laissées à la vue de tous sur Internet, comme c'est le cas, par exemple, avec Texas Lollipop, dont parlait Pauline, mais aussi avec In Limbo. C'est une fiction interactive créée par Arte et réalisée par Antoine Viviani en 2015. Et en fait, ce film connecte automatiquement les comptes web associés à l'identité du spectateur pour explorer les limbes de ces données, là où nos mémoires sont stockées.
Donc ça donne un récit autant poétique qu'étrange, puisqu'on se sent complètement, enfin directement concerné. Donc ça, c'est la personnalisation de contenu. Alors du coup, pourquoi construire un récit interactif, on pourrait se demander, hein. Parce que est-ce que ça apporte réellement quelque chose au récit? Est-ce que c'est pas juste une technique superflue collée sur une histoire qui pourrait très bien s'en passer? Donc nous, on va vous présenter trois éléments de réponse qui sont totalement personnels, hein. Vous pouvez pas être d'accord avec nous, hein, il s'agit de notre point de vue. Et alors tout d'abord l'univers. Quand on crée un récit, spécialement un récit de SF, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on crée un univers complexe avec des facettes multiples. Donc, et quand on essaie de rendre compte de cet univers dans un récit linéaire, il faut savoir doser les informations, savoir les mettre au bon endroit, etc. Mais avec l'interactivité, on permet au spectateur d'explorer lui-même en fait la complexité de cet univers de manière totalement autonome, et puis d'en voir les différentes facettes en fonction de ses choix. Donc, par exemple, dans l'univers d'Extraordinaire qu'on a créé, c'est un univers un peu complexe et on a posé toutes les interrogations au début, enfin certaines interrogations plutôt pas mal, hein, au début, dès le premier épisode, et on a essayé d'étaler certaines de ces réponses dans les différentes branches de la ramification. Donc chaque spectateur aura une vision différente, mais complémentaire de l'univers. Et l'interactivité, ça permet aussi... Ça propose un engagement différent du spectateur, parce que le récit n'existe que s'il s'implique. Si le spectateur refait le parcours plusieurs fois en changeant ses choix, le plaisir est démultiplié. Il aura compris toute la complexité de l'univers. Et donc c'est un peu la satisfaction d'avoir trouvé un easter egg. Et en fait, les easter eggs, c'est des fonctions que les auteurs cachent dans leur création, que ce soit dans le cinéma, les jeux vidéo ou alors en informatique. Et par exemple, en informatique, sur Mozilla, lorsqu'on tape about.robots, il y a une page spéciale qui s'ouvre, ou alors sur Google, quand on fait une recherche sur Thanos et qu'on clique sur le gant doré, ça lance une animation qui fait disparaître les résultats de recherche de Google. Donc ça, voilà, c'est des exemples. C'est des petits objets qui ne sont pas laissés là par hasard. On sait que celui qui va le découvrir aura l'impression d'avoir triomphé un peu sur le game. Et c'est un peu le même principe avec les récits multimédia interactifs. Parce que lorsque le spectateur a découvert toute la complexité du récit, il a l'impression d'avoir triomphé. Ouais, ouais. Et en fait, dans le cas d'un récit interactif, l'utilisateur a l'impression de pouvoir orienter le récit. Mais en fait, évidemment, c'est des choix qui sont prédéfinis parce que voilà, c'est écrit au préalable. Mais l'auteur en est conscient. Donc là, on retrouve l'idée du contrat tacite entre utilisateur et auteur, parce que l'utilisateur accepte de se livrer au jeu d'orienter le personnage à travers les méandres déjà tracés. Donc, en fait, l'interactivité permet donc de satisfaire autant les plus curieux, en intégrant par exemple des indices et des énigmes pour qu'ils ne restent pas sur leur faim, mais aussi surtout de lier cette fonctionnalité à l'intrigue. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ça prend vraiment du sens quand on lie la fonctionnalité de l'interactivité avec l'intrigue. C'est justement ça, en fait. Il faut faire... C'est vrai qu'avec l'interactivité, il faut faire vraiment attention à l'effet gadget, en fait. Pour éviter ça, il faut réussir à justifier, comme tu le disais, en fait. Il faut réussir à justifier, en fait, l'utilisation de l'interactivité par le récit. Donc, pour l'exemple d'Extraordinaire, on peut pas trop vous dire, parce que sinon, ce serait vraiment spoilé, comme on a réussi à le justifier. Mais on va prendre l'exemple de Bandersnatch de Black Mirror, parce que je pense qu'il y a plus de personnes qui l'ont vu. Alors, Bandersnatch, c'était pas une référence de base pour la création d'Extraordinaire, parce que on était déjà en train de créer Extraordinaire quand Black Mirror a sorti. Depuis 2 ans. Ouais. Mais après, c'est vrai que on l'a revu récemment et il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Alors, moi, je sais pas pour vous, mais bon, au premier visionnage, j'ai tout de suite ressenti une certaine frustration parce que j'avais fait des choix logiques en fonction du personnage, de sa psychologie et puis aussi de mes envies. Et puis, je me suis rendu compte, ils étaient considérés comme des mauvais choix. D'ailleurs, il y a un personnage qui le dit.
Et on arrive à un stade où bah, on comprend que ça n'a pas fonctionné, que le jeu de notre personnage Stéphane n'a pas fonctionné. Donc on revient en arrière. Et là, il y a un retour en arrière. Ouais, il y a ce retour en arrière forcé au début. On revoit les scènes. Et là, c'est le premier élément intéressant qui arrive, c'est qu'en fait, on se rend compte que les personnages ont une impression de déjà-vu. Et pour moi, il y a un vrai tournant dans l'intérêt que j'ai porté au film, c'est en fait lorsque le personnage a commencé à se rendre compte qu'il était manipulé, il n'était pas maître de ses choix. Et parce qu'en fait, ça faisait écho, en fait, à cette frustration que je ressentais, parce que j'avais l'impression que bah, quoi que je fasse, les auteurs me repoussaient en arrière pour à un moment clé pour que je fasse le bon choix. Ils voulaient que je fasse le bon choix. Et plusieurs fois, je suis retournée en arrière comme ça à cet instant crucial. Mais en fait, en y réfléchissant, bah, ça va complètement dans le sens du récit. Le personnage principal, il est frustré, il devient fou, il pense que quelqu'un d'autre le pousse à faire des choix. Et en tant que spectateur, bah, au début, on se sentait en supériorité par rapport au personnage, car on fait les choix pour lui. Et jusqu'à ce qu'en fait on ressente vraiment cette frustration, et en fait ça nous rappelle que nous nous-mêmes on est manipulés par les auteurs. Donc le personnage c'est notre marionnette, mais nous sommes la marionnette des auteurs de la série. Donc sur ça c'était bien joué en fait d'intégrer ça dans le récit, ça faisait bien écho. Après il y a une autre justification. Si je prends un deuxième exemple, bah, du coup Way or Die on l'a très vite survolé avant, et pour moi c'est encore plus flagrant en fait la justification de l'utilisation de l'interactivité dans le récit, parce que en fait c'est l'histoire et ça se passe pendant un week-end d'intégration. Donc un jeune est retrouvé mort le lendemain matin et la police réquisitionne tous les téléphones et les caméras des participants pour leur enquête. Donc ils resynchronisent tous les rushs en fonction de l'horaire sur une timeline et ils les visionnent. Et en fait ça ils expliquent ça en introduction. Donc c'est une introduction où il n'y a aucune interactivité, on est obligé de la regarder. Et ensuite, on est balancé et ça donne ça. Et là, en fait, vous pouvez voir qu'on a accès à cette timeline, en fait, pour naviguer d'une caméra à l'autre. Et toutes les caméras sont des points de vue différents de la soirée. Et en fait, c'est en naviguant de l'un à l'autre qu'on peut se faire une idée du déroulement de la soirée et puis de sa fin tragique. Et moi, je trouvais que c'était vraiment bien trouvé, parce que finalement, c'était... les personnages des policiers qui nous offraient ça, donc dans l'histoire, qui nous offraient cette timeline pour pouvoir trouver les raisons du meurtre. Enfin, du meurtre, si c'en est un. Et je vais pas spoiler. Donc ces exemples, ça montre bien qu'il y a plein de manières d'aborder l'interactivité dans le récit. Mais pour éviter en fait cet effet de gadget, cet effet technologie rajoutée, il faut de préférence en fait que le récit il appelle vraiment l'usage de l'interactivité. Et puis il faut les construire ensemble, simultanément, pour que la forme, donc la technique, elle se trouve pas dépassée par le fond, qui est le récit. Voilà. Bah, sur toutes ces réflexions, on arrive à la fin de notre présentation. On a tout dit ce qu'on voulait vous dire, et puis on espère que ça vous aura plu. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.